Alors les amis, qu'est-ce que vous savez de la reproduction des porcs? Je sais déjà pas grand-chose. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en dire plus sur le sujet. On va être précis et concis, comme d'habitude. Honneur aux femmes, dit-on souvent. Alors il faut savoir que la truie qui est la femme de Monsieur le Porc atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 6 mois. C'est vrai qu'à partir de 4-5 mois, on va commencer à observer les premières chaleurs, mais il est très généralement recommandé de laisser ces chaleurs-là passer. Question de permettre à Madame la truie d'atteindre la maturité nécessaire pour pouvoir supporter une gestation. C'est un peu comme une jeune fille qui va commencer à avoir ses premières règles à 10 ans. La maturité physiologique est déjà là, mais la maturité phénotypique n'y est pas encore. Bon là, je crois que j'ai un peu utilisé trop de termes techniques. De toutes les façons, si vous ne comprenez pas, dites-moi en commentaire et je vais prendre la peine de vous réexpliquer. Et donc, une fois que la femme de Monsieur le Porc aura atteint la maturité phénotypique nécessaire pour supporter une gestation, Monsieur le Porc va la baltazarer. Et à la suite de ce baltazarement, elle va mettre bas une portée moyenne de 12 petits après 3 mois, 3 semaines et 3 jours, très exactement. Maintenant, pour ce qui est de la portée, ça peut varier, fonction des races et surtout, fonction du jour durant lequel Madame la truie a été baltazarée par Monsieur le Porc. À ce niveau, il faut savoir que Madame la truie n'est pas comme les 400 femme de Balthazar. Madame la truie ne libère pas à toute position, à tout moment et surtout à n'importe quelle heure. Madame la truie est très 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 capricieuse. Par contre, Monsieur le Porc, lui, il est comme Balthazar. Hein. Lui, il a envie de fourrer à tout moment, à toute position, peu importe le trou. Pour Monsieur le Porc, tout trou est trou. Lui n'a pas de problème. Si ça se trouve même là, c'est son frangin. Hein. Lui n'en a rien à foutre. Monsieur le Porc n'en a rien à foutre. Frangin ou pas, lui, il veut juste fourrer, il veut centraliser dedans. Oui, pour Monsieur le Porc, tout trou est trou. Le trou, c'est le trou. On met les dents, on ressort. Par contre, Madame la truie aura ce qu'on appelle la période de chaleur qui va durer 3 jours. Et ceci tous les 21 jours. Ça veut dire que ce n'est que pendant ces 3 jours-là que Monsieur le Porc aura le droit ou aura la possibilité de baltazarer Madame la truie. À défaut de ça, s'il essaye un autre jour, il va se prendre une raclée légendaire. Et donc, pendant ces 3 jours-là, il y a un jour durant lequel Madame la truie est plus disposée à se faire baltazarer par Monsieur le Porc. Et ce jour-là, c'est notamment le deuxième jour. Donc, durant ce jour-là, l'excitation de Madame la truie est à son paroxysme. Ça veut dire que dès que tu la touches ce matin-là, hein, même toi l'éleveur, dès que tu la touches pendant le troisième, pendant le deuxième jour-là, dès que tu la touches, toi l'éleveur, est immobilise. Que papa, pardon, mets les dents. Hein? Papa, mets les dents. Pardon, pardon. C'est pour vous dire à quel point son niveau d'excitation est immense. Et ceci va se manifester par un gonflement de la vulve, un rougissement de la vulve, des écoulements transparents au niveau de la vulve. Donc, vous voyez que Monsieur le Porc n'a plus besoin de préliminaires. Il vient seulement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, puisque ce deuxième jour-là, Madame la truie, son excitation est au paroxysme, ça veut donc dire que si elle se fait baltazarer ce deuxième jour-là, elle sera très heureuse, elle sera en extase. Ça va donc faire qu'elle va produire un maximum d'ovules qui seront fécondés. Par contre, si Monsieur le Porc la baltazare le premier jour, là c'est mort, ça réduit, n'est-ce pas, drastiquement le nombre de petits à la mise bas. Si Monsieur le Porc la baltazare le troisième jour, c'est pareil, ça réduit drastiquement le nombre de petits à la mise bas. Par contre, lorsqu'il le fait le deuxième jour et le troisième jour par la suite, c'est vrai qu'après c'est plus nécessaire. S'il a fait une fois, c'est bon. Par mesure de progression, toujours vous pouvez le faire le deuxième jour et le troisième jour. Là, ça va de soi, ça dépend de tout un chacun. Maintenant, pour ce qui est de Monsieur le Porc, il faut savoir que lui également, il atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 6 mois. Mais très généralement, on recommande de croiser les femelles avec un mâle plus âgé qu'elle. Vous voyez donc que c'est pas tellement différent de ce qui se passe chez nous les humains. Chez nous en Afrique, on recommande aux hommes d'avoir un minimum de 10 ans d'écart avec sa ou ses femmes. Ce n'est que chez les blancs là qu'on peut observer les choses comme ça. Un gars qui monte sur sa grand-mère. Bon, après, dans le cas de celui-ci, on peut comprendre que le gars voulait les papiers. Hein? Il voulait aller au state. Là, ça peut se comprendre. Mais maintenant, le genre, c'est là, on explique ça comment. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Hein? Sinon, il faut savoir que la question du croisement ne se pose plus qu'en Afrique. Dans les autres pays, ils sont à l'ère de l'insémination artificielle. Mais désormais en Afrique, grâce à notre entreprise, vous pouvez désormais faire un élevage de porcs sans mâle. Ça veut dire que si par exemple vous voulez débuter avec 50 femelles reproductrices, vous prenez juste les 50 femelles reproductrices et vous n'avez plus besoin de prendre, je sais pas, 3 ou 5 mâles, les mettre à côté pour les nourrir. Question que le moment venu, ils croisent vos 50 femelles reproductrices, ok? Lorsque vos 50 femelles reproductrices seront en âge d'être croisées, nous, notre entreprise, viendrons dans votre ferme pour faire l'insémination artificielle avec des semences de mâles sélectionnées. Vous voyez que là, ça vous fait économiser en temps, ça vous fait économiser en argent, parce que l'argent avec lequel vous deviez nourrir et entretenir les mâles, vous allez économiser, ok? Et de plus, ça vous permet d'être synchro. Ça veut dire que vos 50 femelles vont mettre bas au même moment. Et là, l'activité devient plus intéressante. Donc, pour tous les éleveurs qui seront intéressés par cette offre-là, vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche là. Et nous vous donnerons plus en plus d'informations là-dessus. Bon, là, je pense que je n'ai rien oublié. Ah non, si. Les testicules du porc peuvent peser jusqu'à 10 kilos. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas une malformation. Regardez-vous. Ce sont ces testos. Monsieur le porc, c'est un homme viril.